Jeunesse, c'est un organisme en fait qui anciennement s'appelait Loisirs Saint-Jacques, qui avait pour but de briser l'isolement des familles dans les habitations Jeanne-Mance. Aujourd'hui, on s'adresse à une clientèle jeunesse de 6 à 35 ans et on propose différentes activités éducatives, culturelles, sociales et sportives. La relation avec les partenaires est très 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 importante ici. À Go Jeunesse, on travaille beaucoup sur le développement de projets, on essaie d'agrandir. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de partenariat, mais c'est aussi un travail où ce qu'on souhaite avant tout, c'est pouvoir se développer en tant que groupe aussi. On est comme une famille ici, avec différents groupes, différentes organisations. Je dirige l'organisme depuis maintenant près de 10 ans. Mon rôle essentiellement, c'est de créer des liens avec la communauté. En tant que directeur, on a différents chapeaux, différentes facettes. On travaille, c'est sûr, au niveau des ressources humaines, au niveau du développement des organisations. En travaillant avec ces différents partenaires, nous avons réussi au cours des 10 dernières années à développer différents projets et on s'est rendu compte que ces projets étaient très valorisés dans le milieu et très appréciés par la communauté en général et par les jeunes. Go Jeunesse est un organisme qui a un rôle dans la communauté qui est très, très important, en fait, qui permet d'aider les jeunes des habitations Jeanne-Mance à renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté par différents moyens, comme les loisirs, le sport. Le rôle le plus important pour l'organisme, c'est vraiment de soutenir les enfants des habitations Jeanne-Mance. Pour en fait les supporter dans le développement scolaire et le personnel, de permettre d'aller au cégep, à l'université, d'avoir une carrière et d'avoir leur chance. En ce qui concerne Go Jeunesse, qui s'appelait autrefois les Loisirs Saint-Jacques, c'est pas nous qui avons installé l'organisme. Ça provient des mères de famille qui vivaient ici et qui se sont mobilisées ensemble dans les années 60 pour créer des activités pour les jeunes. C'est un organisme qui existe depuis 52 ans, qui a eu des hauts et des bas et qui a vécu un paquet de problématiques. Il y a eu énormément de défis au cours des dernières années parce que, premièrement, nous sommes situés au cœur des habitations Jeanne-Mance, dans un des plus grands complexes de logement social en Amérique du Nord, près du centre-ville à Montréal. Et ce qui rend un peu des fois la tâche difficile, c'est de pouvoir travailler auprès de différentes communauté culturelle avec différents enjeux. Et nous, c'est notre grand défi, c'est à la fois une grande force parce que ça nous permet de travailler avec ces différentes familles, ces différents enjeux sociaux. Et en même temps, on est proche du centre-ville, donc il faut travailler avec les partenaires qui sillonnent l'arrondissement et avec lesquels on est bien fiers de travailler. Évidemment, on rêve d'avoir des locaux plus gros, d'avoir accès à des... plus de terrains de sport, plus de locaux pour nos jeunes. On est prêt à grandir, mais c'est important qu'on le fasse avec nos partenaires, dans le respect évidemment de nos capacités financières et nos capacités en ressources humaines. C'est un défi important, mais je pense qu'on va pouvoir le relever sans trop de problèmes. Je pense qu'on est assez bien équipé au niveau du conseil d'administration, au niveau de la direction également, et des employés de l'organisme. Donc, la programmation qu'on offre à notre clientèle, tout d'abord, c'est sûr qu'on priorise l'aide aux devoirs. Tant au niveau des 6-12 ans qu'aux adolescents. Par la suite, on poursuit avec des activités plutôt éducatives au niveau de l'art, de la cuisine, des activités sportives, culturelles aussi. Avec les adolescents, on va même faire des débats pour apprendre à ce qu'ils disent leur opinion sur différents sujets auxquels ils sont confrontés au quotidien. Nous avons des familles de première et deuxième génération d'immigrants qui sont installés ici dans la corporation Jeanne-Mance. Donc, on est confronté aussi à avoir des jeunes que les parents ne parlent pas nécessairement encore français. Donc, au niveau de l'aide aux devoirs, notre place est très importante pour aider ces jeunes-là à faire leurs devoirs, puisque parfois les parents ne sont pas en position de les aider avec les devoirs en français. Donc, présentement, on vit un grand défi avec la période COVID. C'est ça, on est confronté à devoir limiter nos activités. Donc, on vient d'établir un projet d'offre de services hybride. Donc, étant donné que notre priorité, c'est l'aide aux devoirs, on offre l'aide aux devoirs en présentiel dans nos locaux. Au niveau des activités, on va essayer de les faire. Ce qui peut se faire ici, assis, tranquille, on va les faire dans nos locaux. Par contre, tout ce qui demande de plus bouger, on va aller chercher, on va présenter des capsules vidéo, on va faire des vidéoconférences avec les jeunes en live pour pouvoir garder un contact avec eux. On veut vraiment s'assurer que malgré la COVID, ils puissent recevoir l'aide nécessaire, puis aussi un soutien
de pouvoir voir aussi tout le groupe à tous les jours, ça les aide beaucoup justement à conserver cette motivation d'étudier aussi. On essaie aussi beaucoup d'apporter l'entraide entre les jeunes. Donc, si les jeunes veulent s'entraider pour faire leurs devoirs, on l'encourage absolument. Pour offrir un service à nos jeunes, on a la chance de travailler avec une psychoéducatrice de formation. On a aussi deux animatrices pour nos 6-12 ans. Chez les ados, on a un intervenant qui est présent pour les familles et pour les jeunes. Il fait beaucoup de suivi scolaire. Et on a aussi une éducatrice qui est là pour l'aide aux devoirs et amener beaucoup de soutien chez les adolescents, chercher davantage de ressources pour les aider dans leurs devoirs. Moi, mon travail consiste justement à aider les jeunes au niveau scolaire, dans leur parcours en général, de les écouter. On a fait énormément d'activités, de projets afin justement de les aider au niveau de s'intégrer dans la société, d'affronter la vie de tous les jours. Et je travaille aussi en lien avec les familles. Justement, j'accompagne les familles dans les écoles. J'accompagne aussi les jeunes justement à travailler avec leurs parents et de faire des activités ensemble. Au quotidien, j'accueille les enfants. D'abord pour les aider dans leurs devoirs, donc on fait une période aide aux devoirs et ensuite activité. Donc je commence toujours par préparer une petite collation. Donc aujourd'hui on sort des yogourts aux fruits, comme ça leur permet d'avoir une meilleure concentration aussi. Donc après l'aide aux devoirs, ce qu'on fait c'est des activités. À chaque jour on en a une différente. On en fait le lundi ça va être artistique. Le mardi, c'est de la cuisine, donc je leur montre comment faire cuire de la viande, comment préparer des desserts. Puis on essaie toujours de donner aussi un aspect qui est plus santé. Donc on essaie un peu aussi de les faire découvrir, afin qu'ils puissent créer puis trouver un peu c'est quoi leurs intérêts à travers toutes les activités. On a un impact quand même assez significatif puisqu'ils ont quand même assez de grandes difficultés parfois. Donc on est là pour les soutenir en mathématiques, en français, parfois en anglais, tout dépendant du niveau. Les impacts au niveau des jeunes sont plus de persévérance scolaire, plus de présence à l'école et plus de présence au sein de nos activités, moins de délinquance, plus d'estime de soi, plus de persévérance scolaire, plus d'assiduité, plus d'intégration sociale. Quand ils sont très jeunes, ils n'ont pas encore conscience de c'est quoi le racisme ou tout ça. Donc nous, on est là justement pour leur apprendre dès le départ de s'accepter puis de justement être respectueux envers les autres. Donc on en profite justement de leur âge afin de pouvoir leur apprendre justement toutes ces valeurs de respect et aussi de non-discrimination entre les autres. Le rôle de la psychoéducatrice est très important puisqu'elle nous donne des outils justement pour détecter les difficultés. Elle nous donne des documentations aussi pour les aider dans certaines matières. J'ai été engagée dans le cadre du projet Messeville qui a été mis de l'avant par les deux organismes en fait de concert, à la fois Go Jeunesse et le Centre récréatif Poupard. Ce programme-là veut répondre dans le fond à une demande qu'avaient les organismes qui ont de la difficulté à répondre aux besoins quand même assez complexes de leur clientèle. Qui ont déjà eu des difficultés dans le passé concernant l'intégration des jeunes. Et puis, en fait, qu'on voit aussi, on a un peu le portrait global. On veut, dans le fond, prévenir les difficultés d'adaptation futures ou ceux qui sont déjà en place. Donc, mon rôle est d'essayer de répondre à ces besoins-là en outillant les intervenants, les animateurs, en leur donnant des conseils, basé bien sûr sur les observations que j'ai faites. Puis le projet dans le futur vise vraiment un aspect plus global. Ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions de vie des jeunes, améliorer leur intégration. Et puis ça va passer par plusieurs choses, à la fois dans le soutien aux animateurs, dans ma présence aussi auprès de la clientèle qui permet de répondre à des besoins ponctuels ou d'orienter des réponses des intervenants ou des jeunes entre eux. Et puis, dans un futur, on espère pas trop lointain, on veut aussi intégrer les parents à ça. On veut absolument qu'ils fassent partie de cette espèce de programme de prévention qu'on veut mettre en place en partenariat, donc autant bien sûr avec les parents, qui sont les premiers intervenants, et aussi avec tout ce qui est le milieu scolaire, le service public. Donc, l'impact qui est visé par le projet, c'est vraiment d'abord dépister en amont
toutes les difficultés d'adaptation que les jeunes pourraient avoir, autant au niveau social qu'au niveau des apprentissages, au niveau socio-affectif. Donc vraiment dépister des problématiques ou des jeunes qui seraient à risque de développer des problématiques. La clientèle, c'est surtout des jeunes âgés entre 6 et 12 ans qui vivent la plupart dans des logements sociaux ou des HLM. Donc c'est sûr que c'est une clientèle qui est très multiethnique et puis d'un niveau socio-économique assez faible. Donc c'est sûr que ça aussi, ça fait partie des facteurs de risque de cette population-là. Des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a une problématique X en surface, mais on a oublié qu'en dessous, par exemple, le jeune, justement, son comportement va partir d'un manque profond d'estime de soi, puis qu'il est en train de faire de l'évitement par rapport à ce qu'on lui demande, parce que c'est trop difficile. Mais si on oublie ça, puis qu'on voit juste une problématique de comportement, puis qu'on applique juste des conséquences au lieu de soutenir la confiance en soi, ben on rate complètement le but, en fait. On n'aide pas le jeune, on fait juste contrôler le groupe. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui peuvent vivre de l'anxiété, qui peuvent vivre des problèmes d'intimidation, toutes sortes de difficultés qui font qu'ils ne sont pas nécessairement disposés à se concentrer sur leurs apprentissages. Et puis aussi qu'à la maison, souvent les parents, s'ils ne parlent pas le français, ça peut être vraiment difficile pour eux de soutenir les jeunes dans leurs devoirs, donc de faire un peu le pont avec l'école pour poursuivre ces apprentissages-là. Donc, c'est sûr que nous, on intervient aussi à ce niveau-là avec l'aide aux devoirs. On peut les soutenir peut-être dans des situations que les parents sont moins bien outillés pour le faire. Bonjour, moi, mon nom, c'est Arthur Junior Jean-Jacques. Bonjour, moi, je m'appelle Ralph et qui est Ralphito Loisir. Mon nom, c'est Christopher. J'ai 15 ans. Je m'appelle Shanika. Ali Safidine. Ça fait depuis l'âge de 7 ans, je suis au loisir. Je fréquente les loisirs depuis que j'ai 6 ans, puis maintenant j'ai 14 ans. J'ai 18 ans, je fréquente le loisir depuis mes 6 ans. Ça m'aide beaucoup ici, je pense, parce que ça a monté un petit peu mes notes, je trouve. Et je suis aussi venu pour faire des sports. Et enfin, moi, puis je trouve que Reda, il m'aide beaucoup dans ses apprentissages, parce que genre, je pense que je pourrais mieux communiquer avec lui. J'aime le loisir pour l'aide de devoir, les activités. J'aime les gens qui viennent ici, puis c'est amusant. L'activité que j'aime le plus, c'est la cuisine, les lundis. L'organisme m'a supporté pour les devoirs ou quand j'ai besoin d'aide, les affaires que j'aime, des choses comme ça. Je me suis fait beaucoup d'amis au loisir. Ma force au niveau du sport, c'est l'athlétisme. Je fréquente souvent ici, mais je manquerai seulement pour des raisons genre sévères, je pense. Parce que j'ai pas trop d'autres choses à faire, je trouve. Bon, la plupart des personnes qui viennent ici, je les connais. Je les connais mieux que je les connaissais avant. Okay, j'habite pas les habitations de Jeanne-Mance, mais en fait, j'habite proche. J'habite au plateau, Plateau-Mont-Royal. Avant, je faisais le soccer avec Moses, mais maintenant, j'ai fait le basket. J'aime le basket. Un jour, je vais devenir joueur de basketball. Puis un de mes coachs durant l'été, c'était Abdou. Abdou, c'est mon coach durant l'été, puis après, grâce à lui, je suis devenu encore plus fort. Et puis, c'est pour ça que j'aime venir au loisir, parce que c'est cool. J'habite ici, mais avant, j'habitais sur Maisonneuve, maintenant, j'ai déménagé. Mais j'habite toujours à côté ici. J'habite aux habitations au Jeanne-Mance depuis tout petit. Je suis venu très tôt, à l'âge de 2 ans. Puis, ouais, ça fait 16 ans. Alors, auparavant, je venais pour l'aide de devoir et pour le camp d'été. Et sinon, pour maintenant, là, je viens pour... Je viens voir le Abdou, le petit là, parce que j'ai grandi avec le loisir. So, je viens de temps en temps. J'aime très bien vivre ici. Je suis là avec des gens avec qui j'ai grandi pendant ma jeunesse, que je vois grandir maintenant. C'est comme Ralphito qui est passé tout à l'heure là. Sinon, ouais, j'aime vivre ici. C'est dans mon cœur. Gauche jeunesse, ça fait longtemps que je le connais. Pour Younes, vraiment, vraiment, il adore ça. Pour moi, c'est quand je vois mon fils qu'il aime quelque chose, c'est comme si que. Ça me fait plaisir. Quand jeunesse, il laisse un enfant actif, souriant, content, avoir des amis. Je suis vraiment contente parce que ma fille, elle est vraiment contente, elle aussi, parce qu'elle a fait beaucoup d'amis, puis elle s'amuse, beaucoup d'activités. Quand il est venu ici, Gauche Jeunesse, il a beaucoup changé, puis les devoirs aussi, il s'est amélioré, il est devenu très bon.
J'ai beaucoup constaté ça et je suis très contente. Gojenes m'a rapporté beaucoup de soutien au milieu familial. Ma fille apprend à nager au loisir. Tiens, j'avais payé un cours quand elle était petite. Elle n'a pas appris à nager, puis grâce à vous, comme tiens, le temps passé avec vous, elle a appris beaucoup de choses, comme l'autonomie, puis elle était une fille pendant longtemps seule, fait qu'elle a eu des amis là-bas, c'est comme un soutien de famille. Et eso ayudó mucho a mi hijo para que se integrara, perdiera el miedo y soltara un poco más el habla en francés. Bueno, Goyuné ayudó mucho a mi hijo. Y a nosotros. No tengo la capacidad para ayudarlo. En cambio, aquí lo ayudan con la escritura, lo ayudan con las tareas, lo ayudan con todas sus cosas escolares, que para mí es muy importante. Nos aceptaron con la diferencia de lengua, nos han ayudado mucho. Un poquito complicado ayudarlo con sus deberes. De verdad que estoy muy agradecida y muy contenta de que aceptaron a Mario aquí. Muchas gracias. Pour dire, je suis arrivée quand même assez jeune. L'intégration, c'était pas si compliqué pour moi. Fait que je suis vraiment comme bien intégrée. Chez nous, quand j'étais petite, c'est sûr que ça me manque. Mais je suis plus habituée à un moment donné. C'est rendu comme mon pays dans un sens. Aussi, on a trouvé beaucoup d'aide de citoyens. Si tu demandes quelque chose, tu veux vraiment ils t'aident. C'est une société vraiment serviable. Ça fait longtemps que je suis au Québec, mais intégrée avec le voisinage, les amis, les différentes, c'est vrai, différentes cultures. On vient d'un pays musulman, d'un pays vraiment différent. Avoir des enfants nés ici, c'est comme si je suis née ici, moi ici. Grandir avec mes enfants. Pour quand je naisse, j'aimerais bien qu'ils restent toujours. Jusqu'à quand l'enfant quitte l'âge de quand je naisse. Même pour les enfants qui viennent après, c'est quelque chose de beau, de bon. Pour moi, pour mon enfant. La Corporation d'habitation Jeanne-Mance a pour mission de gérer le site des habitations Jeanne-Mance, qui est un site qui est composé de 788 logements sociaux au cœur de Montréal, qui accueille à la fois des personnes âgées et des familles. C'est un milieu de vie où on trouve près de 70 pays différents représentés au sein de nos résidents. Alors c'est sûr que c'est un milieu de vie très interculturel, particulièrement métissé avec beaucoup de cultures différentes qui cohabitent d'ailleurs la plupart du temps très harmonieusement. J'ai envie de dire que les habitations Jeanne-Mance, c'est un peu comme une grande famille et Gojenes fait partie intégrante de la famille et a su évoluer au fil des années pour s'adapter aux évolutions sur le site des habitations Jeanne-Mance. Quand on pense aux activités d'aide aux devoirs, par exemple, en fin de journée, qui sont un rendez-vous quotidien important pour plusieurs jeunes, ben, écoutez, ça participe non seulement à effectivement faire en sorte que les jeunes aient des lieux pour se rassembler, pour partager des choses, mais aussi pour se sentir soutenus et accompagnés dans leur développement personnel. Et ça, je crois que c'est une voie qui va falloir continuer d'explorer et avec Gojenes, on essaye de soutenir cette mission-là. On met à leur disposition des locaux, on collabore ensemble pour toujours être au plus près des besoins qu'on voit émerger sur le site parce qu'évidemment, au fil des ans, les besoins des jeunes évoluent, la manière d'accompagner les jeunes évolue. Et je crois qu'avec Gojenes, on a un beau partenariat pour être en mesure d'offrir le meilleur soutien possible aux jeunes. Les jeunes qui vivent aux habitations Jeanne-Mance sont des jeunes, effectivement, qui font face, pour certains d'entre eux, à plusieurs défis en lien avec leur environnement familial, leur histoire. Et nous croyons beaucoup en eux. Je pense que c'est des jeunes qui ont beaucoup de potentiel et qui méritent d'être accompagnés de la meilleure façon pour justement pouvoir exprimer leur potentiel dans leur vie adulte par la suite. Alors, je crois que Gojenes fait un excellent travail à ce niveau-là, avec d'ailleurs l'ensemble des partenaires communautaires de la grande famille des habitations Jeanne-Mance. Il y a des jeunes qui vivent aux habitations Jeanne-Mance qui ensuite sont allés travailler à Gojenes. Alors c'est vraiment intéressant de voir ces parcours-là
et de voir combien Go Jeunesse peut faire une différence. Également, aux habitations Jeanne-Mance, dans les prochaines années, nous allons accueillir de nombreux nouveaux résidents à la fin des travaux de modernisation de nos appartements. Ça va être plusieurs dizaines de nouvelles familles, de nouveaux jeunes qui vont arriver aux habitations Jeanne-Mance. Donc, on souhaite vraiment que Go Jeunesse puisse être partie prenante de l'accueil de ces nouvelles familles, nouveaux jeunes qui vont arriver. Pour nous, c'est important que ces jeunes-là puissent avoir des activités intéressantes et qu'ils puissent connaître notre organisme et qu'ils soient intéressés à participer aux activités qu'on puisse leur offrir. Donc, évidemment, c'est important pour nous de pouvoir rejoindre ces jeunes-là, rejoindre ces familles-là qui vont arriver dans le secteur et avoir une offre de service peut-être plus grande, plus renouvelée, plus intéressante. On a un gros travail à faire avec la population pour permettre aux nouveaux d'arriver puis d'être accueillis par les anciens. Parce que c'est sûr que ça va être un clash. Il y a un sentiment d'appartenance très fort par les résidents qui vivent ici. Go Jeunesse a travaillé dans la même direction que nous, c'est-à-dire accueillir des gens de l'extérieur et que les enfants ne soient pas dans un milieu fermé, dans un milieu ouvert, en contact avec le monde. Depuis 7 ans, ce qu'on voit, c'est vraiment sur le terrain, l'organisme s'est vraiment professionnalisé. C'est-à-dire que ses façons de faire, ses façons d'intervenir, ses façons d'animer se sont vraiment mis au goût du jour. Puis il s'est inspiré toujours des bonnes pratiques puis des bonnes façons de faire aussi pour œuvrer puis pour desservir ces clientèles-là. Sur le terrain, ce qu'on voit, c'est un organisme qui respecte les normes, qui s'assure de la sécurité des usagers, qui s'assure d'un grand dynamisme, qui s'assure que les clientèles y trouvent leur compte, peu importe la tranche d'âge. Que l'arrondissement Ville-Marie, le centre-ville de Montréal, on a une particularité d'avoir un centre-ville qui est habité. Il y a d'autres villes, d'autres grandes métropoles à travers le monde où le centre-ville, c'est vraiment dédié pour les travailleurs. Fait que c'est différent pour eux. Ils n'ont pas les mêmes contextes. Nous, on veut vraiment que le citoyen y réside puis il continue à être bien dans son centre-ville puis à trouver sa place. Et en même temps, travailler aussi parce qu'on veut continuer à être le moteur économique, là, c'est du Québec, de Montréal, c'est certain. Mais néanmoins, d'avoir ici les habitations Jeanne-Mance au cœur même du centre-ville de Montréal, c'est précieux pour nous parce que là, on parle d'une multitude de familles qui sont vraiment au centre-ville, qui habitent, qui vivent, qui utilisent les équipements, les infrastructures. Puis ça permet justement cette mixité-là d'usage qu'on veut conserver du centre-ville de Montréal et non pas le voir se vider, par exemple, à 17h le soir. Au contraire, on veut qu'il continue à vivre le soir, la fin de semaine. Pour la ville de Montréal, pour l'arrondissement et pour moi, comme agent de développement, c'est sûr que ça va être précieux de continuer à soutenir un organisme qui va desservir les habitations Jeanne-Mance. C'est sûr et certain que ça prend vraiment quelqu'un qui est ancré dans cette communauté-ci, puis qui connaît, puis qui est à même de voir les besoins de l'ensemble des populations, puis d'y répondre le plus adéquatement possible. Idéalement, c'est certain qu'on va être capable aussi de suivre la cadence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation des fréquentations de Loisirs-Saint-Jacques, comme on a une relation de proximité avec l'organisme, on est capable de le voir venir, puis on est capable de s'ajuster aussi selon les besoins émergents puis réels là, que l'organisme rencontre, là, effectivement. Mais c'est une collaboration qu'on va toujours vouloir maintenir avec l'organisme, j'en suis certaine. Moi, depuis que je suis arrivé au poste de quartier, anciennement Loisirs Saint-Jacques, on a toujours fait des activités sporadiques à chaque année avec les jeunes via l'organisme, que ce soit aide aux devoirs, des activités sportives, de la sensibilisation et de la prévention.
Évidemment, le rôle de l'agence socio-communautaire, c'est de créer des liens. Dans ce cas-ci, avec Go Jeunesse, c'est de créer les liens avec les jeunes du quartier. Donc, on a voulu un peu démystifier le rôle du policier. On veut être présent sur le terrain, on veut que les gens nous voient. On veut que les gens viennent nous voir, qu'ils ne soient pas intimidés ou gênés de venir nous voir. On veut que nos portes soient ouvertes pour les gens du quartier. Je pense qu'en participant aux différentes activités, que ce soit avec Go Jeunesse ou avec différents partenaires communautaires, c'est le meilleur moyen de développer ces liens-là. Je pense que ça fonctionne. Parce qu'on a recroisé des jeunes là, dans d'autres circonstances, puis on avait des belles discussions, puis ça allait super bien. On a voulu pousser un peu plus loin le lien qu'on avait avec les jeunes, donc on a organisé différentes activités au courant de l'été pour aborder toutes sortes de thèmes, et puis un peu sans tabou aussi, on voulait que les jeunes aient l'occasion de s'exprimer librement, malgré qu'on soit deux policiers. Des fois, les gens vont faire attention à ce qu'ils disent, ils veulent pas nous brusquer ou être impolis avec nous, mais on était prêts à écouter leurs inquiétudes, leurs interrogations. Fait que c'était aussi une des préoccupations vraiment d'amener cette discussion-là avec eux. Puis on l'a fait à travers différents ateliers, en fait, au courant de la dernière année. Donc, puis on aimerait évidemment que cette collaboration-là se poursuive dans le temps et même l'amener à un niveau un peu plus poussé. Là. On essaye de penser à différentes activités qu'on pourrait faire avec eux. Il y a beaucoup d'enjeux qui circulent autour des habitations Jeanne-Mance. Donc, raison de plus d'avoir un meilleur contact, ne serait-ce que de les coordonner avec le poste de quartier, c'est-à-dire de les mettre en contact, qu'ils connaissent leur poste de quartier, qui sont les policiers, et puis comme ça, partir de là pour des relations plus solides. On entre à l'été prochain pour répéter les ateliers qu'on a fait avec nous. C'était un bon moyen de communiquer avec les jeunes du quartier qui sont sans Go Jeunesse, ça ne serait pas aussi évident. Ce que l'on voit chez nos étudiants, c'est qu'ils sont sensibilisés à un environnement où on va aller travailler d'une autre façon, finalement, que ce que l'on peut faire en classe. Donc, je pense que c'est un apport qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis, je vous dirais que l'apport s'est fait aussi parce que Go Jeunesse offre beaucoup d'activités aux jeunes. Donc, nous, on va comme aller chercher le côté scolaire pour qu'il y ait une meilleure intégration par la suite. Donc, c'est une belle complémentarité. Puis, on souhaite pouvoir également préparer des capsules pour les parents, pour mieux les soutenir, parce qu'on sait que les parents qui sont issus de l'immigration, bien, le milieu scolaire québécois, c'est vraiment tout un nouveau monde pour eux à s'approprier. Alors, on aimerait pouvoir mieux soutenir là, les intervenants de Go Jeunesse là, à ce niveau-là. Nous rencontrons beaucoup d'ethnies maintenant lorsque nous enseignons à Montréal. Alors, il y a des cours qui sont vraiment associés à cette dimension pour que les élèves, en fait, que les étudiants soient sensibilisés à cette particularité chez les élèves. Tout comme on a des cours pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des élèves qui ont davantage des difficultés de langage, des enfants autistes également. La problématique que rencontrent les enseignants, c'est qu'en fait, justement, dans leur classe, ils ont des élèves qui ont des besoins, des capacités qui sont vraiment variées. Donc, elles doivent être en mesure de bien connaître leurs élèves, les évaluer pour mieux intervenir, faire des choix par rapport à leurs interventions. Alors, c'est pour ça que nous, notre rôle à l'université, c'est de les former par rapport aux différents aspects qu'elles pourraient rencontrer, évidemment, là, reliés aux problématiques des enfants. Quand on enseigne dans les cours, c'est plutôt théorique, finalement. Alors là, ils ont l'occasion de vraiment intégrer, de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Alors, c'est évident que c'est un apport qui est vraiment important. Et les étudiants qui ont participé au camp de jour, nous l'ont mentionné, ils ont adoré ça. D'ailleurs, il y en a une qui est revenue l'année suivante pour poursuivre les activités. Donc, vraiment, je pense que pour eux, c'est un beau terrain d'apprentissage pour eux aussi, là. Les étudiants en loisirs, lorsqu'ils sont en stage, ils apportent beaucoup aux jeunes. Parce que ce n'est pas seulement des expériences de loisirs qu'ils font vivre aux enfants, mais d'abord, dans leur processus, ils doivent bien observer la clientèle, observer ses besoins, observer ses intérêts, ses caractéristiques.
Ils doivent également observer les problématiques du milieu, les dynamiques de groupe. Ils doivent prendre en compte chaque individu, mais aussi l'individu dans son groupe. Et les expériences de loisirs qu'ils leur font vivre doivent tenir compte de ça. Donc, oui, il y a une partie qui est du divertissement, mais en loisirs, dans leur programme d'études, on leur enseigne beaucoup à intervenir, à faire grandir les jeunes. Nos étudiants, pour certains, deviennent des modèles pour les jeunes. Depuis qu'on est partenaire avec Go Jeunesse, on a vu une belle évolution chez nos étudiants. Parce que ce contact-là avec la clientèle, elle est très, très riche. D'être exposé, de côtoyer, de partager des moments dans une dynamique qui est positive, qui est agréable, avec les jeunes de Go Jeunesse, bien, ça leur permet de voir une réalité qui est fort différente au niveau économique, au niveau de la langue, au niveau de la culture. Et souvent, nos étudiants nous reviennent un peu ébranlés parce qu'ils peuvent apprendre lorsqu'ils sont en contact avec ces jeunes-là. La collaboration qu'on souhaite avoir avec Go Jeunesse sera probablement à long terme, on le souhaite du moins, parce qu'on porte ces mêmes valeurs-là, ces mêmes valeurs d'ouverture à l'autre, ces valeurs éducatives-là. Donc, Go Jeunesse souhaite contrer le décrochage scolaire et c'est bien tant mieux parce que nous, on souhaite accrocher les jeunes pour qu'ils voient que le monde du collégial leur est accessible. Depuis 3 ans maintenant, le syndicat des professeurs du Cégep du Montréal participe à la fête de Noël. C'est un moment important pour les enfants, certes parce que c'est un moment de festivité après de gros efforts pendant leur année scolaire. Les participants à ces activités-là, ce sont autant les employés de soutien, les professionnels, beaucoup de membres de la direction. On parle souvent d'enjeux généraux, mais de pouvoir participer avec des voisins du Cégep du Montréal, c'est-à-dire que les enfants de Go Jeunesse restent juste l'autre côté de la rue, c'est quelque chose qui vient beaucoup toucher les gens. Et de là, un engouement pour la participation à la fête de Noël. La générosité de l'ensemble du personnel du Vieux-Montréal est née l'idée de donner une nouvelle table de baby-foot, donc de soccer sur table à Go Jeunesse, qui a été réalisée. Le collège en est bien heureux. S'il y a un souhait que je peux formuler, ben, c'est de voir un jour, bientôt, les enfants de Go Jeunesse dans les classes, dans nos classes au Cégep du Vieux-Montréal. MU, c'est un organisme de bienfaisance qui existe depuis près de 15 ans. Et qui œuvre à Montréal à embellir notre ville via un projet d'art dans l'espace public. Dès le départ, on a commencé à travailler avec Go Jeunesse, anciennement Loisirs Saint-Jacques, et les habitations Jeanne-Mance, ainsi que l'arrondissement de Ville-Marie, à faire des projets artistiques dédiés aux adolescents sur le site. À part des ateliers peinture, photo, on a aussi fait des ateliers de dessin, de travail collaboratif, de peinture au sol, et on a fait beaucoup de mosaïques aussi. Ça nous a permis d'inviter plus de clientèles différentes, de résidents ainsi que de citoyens du quartier à venir se greffer aux jeunes qui sont ici sur le site pour faire de la mosaïque. Et on a fait plusieurs projets de mosaïque collective, des bacs à fleurs, des murets, ainsi qu'une immense murale qui a sollicité l'aide de beaucoup de jeunes ainsi que leurs parents, ainsi que des aînés et toutes sortes de résidents et de citoyens qui sont venus pendant 2 années, tous les étés, faire cette immense mosaïque. Et depuis ce temps, tous les étés, nous collaborons avec Go Jeunesse à différents projets qui permettent d'offrir une programmation artistique complémentaire aux activités qui sont davantage sportives et toutes les autres activités qui sont offertes. En faisant les fresques, on s'est mis à offrir des ateliers et les jeunes venaient spontanément nous voir pour ceux qui étaient pas les sportifs. Donc, les autres jeunes qui avaient envie de vivre d'autres expériences et pas nécessairement être sur le terrain de basket, bien, c'est ceux-là, les plus timides ou les plus artistiques qui venaient nous voir et de façon bien, bien organique, on s'est mis à, dans le fond,
offrir des activités artistiques pour tous ces jeunes, en fait. Alors, je pense que c'est une façon très complémentaire que nous avons de collaborer où on offre des activités différentes à des jeunes qui ont des besoins différents. Action Centre-Ville a débuté une collaboration soutenue depuis environ une douzaine d'années avec la Corporation des habitations Jeanne-Mance. On œuvre auprès des aînés, notamment ceux qui résident aux habitations Jeanne-Mance, et on a une clientèle assez interculturelle. À peu près le plus du quart de nos membres sont issus de différentes communautés culturelles. On travaille aussi, notamment avec la Corporation des habitations Jeanne-Mance, via le service d'intervention de milieu, où trois intervenantes viennent en aide aux personnes aînées vulnérables et isolées, dont une personne qui parle mandarin, donc justement pour briser l'isolement face à la barrière linguistique que les aînés d'origine chinoise vivent au quotidien. À plus long terme, je pense que ce qu'on pourrait développer avec Go Jeunesse, ça serait plus d'activités intergénérationnelles. Par le passé, il y a eu certaines occasions qui se sont présentées. Ça ne s'est pas peut-être réalisé dans le passé, mais je pense qu'il y a une volonté d'aller de l'avant de la part des deux organisations. Parce qu'on le sait, les aînés et les jeunes, ce sont deux clientèles qui peuvent s'apporter beaucoup mutuellement. Et c'est des clientèles qui ont des affinités. Donc, je pense qu'il faudra avoir un lieu rassembleur aussi pour permettre aussi cet échange-là entre les aînés et les plus jeunes. Nous offrons des activités de soutien scolaire par enfant. Nous organisons des ateliers de francisation parce que pour s'intégrer, il faut parler le français. Nous offrons aussi des services d'écoute et de référence. Nous organisons des activités de loisirs culturels comme le yoga, comme la piscine, comme les marches. Nous prêchons pas d'exemple. Donc, si on est dans l'entraide, on est dans la communauté, il y a les jeunes qui sont là, qui nous voient. Donc, ça donne aussi des belles exemples aux jeunes. Et je vois que aussi, il y a d'autres jeunes qui proviennent d'autres quartiers, qui viennent jouer avec nos jeunes ici. Donc, c'est extraordinaire voir que les jeunes qui fréquentent Go Jeunesse et les jeunes qui fréquentent la Fijane ont développé un bon sentiment d'appartenance à leur milieu et qui sont capables d'accueillir d'autres jeunes, de les accepter pour venir ici aux habitations Jeanne Mance jouer et socialiser. Nous travaillons avec des familles multiculturelles, souvent avec des deuxième et troisième générations. Nous, qu'est-ce qu'on recherche? C'est briser leur isolement, créer un esprit d'appartenance. On veut vraiment qu'ils s'intègrent à la société québécoise. On leur donne des instruments pour le faire, on leur donne des idées, des acquis, en faisant les activités avec eux, en faisant des ateliers. On veut leur apprendre à travailler ensemble avec d'autres communautés. Puis le meilleur exemple, c'est nous, les partenaires. Quand ils nous voient travailler ensemble, bien, ça les rapproche. Depuis sa création et aussi longtemps que l'on puisse aller, notre organisme vient en aide à l'ensemble de la population, qu'elle soit démunie, multiculturelle ou à besoins particuliers. Sa force,
est né de son milieu. C'est ce qui lui a permis d'enrichir le centre-ville, grâce entre autres à ses nombreux partenaires qui ont su être à l'écoute de nos besoins. GoJeunesse se développe à chaque jour et compte rejoindre dans les années à venir encore plus de jeunes et être partie prenante dans le futur carrefour communautaire du Faubourg Saint-Laurent. GoJeunesse permet à de nombreux jeunes de garder confiance en eux par ses différents programmes éducatifs, mais aussi dans leur travail, dans leur milieu, et permet aux familles de trouver leur place. Alors nous comptons bien relever le défi, encore plein de défis, avec la population grandissante dans le milieu durant les prochaines années. C'est très, très important les partenaires, parce que sans partenaires, on ne réussirait pas à faire beaucoup de projets. Les jeunes auraient accès à beaucoup moins d'activités et notre offre de service serait diminuée de beaucoup. Je suis fier de ce qu'on a réussi à accomplir durant la dernière année. Et c'est important qu'on continue dans la même voie et même qu'on puisse développer d'autres projets ensemble et aller plus loin et aider les jeunes de centre-ville de Montréal de différentes façons. Un des rêves que j'ai pour l'organisme, pour GoJeunesse, c'est évidemment que l'organisme grandisse et puisse rejoindre le plus de jeunes possible au centre-ville de Montréal et pourquoi pas dans d'autres quartiers de la ville. Un de nos rôles, c'est de leur faire aimer la province, c'est de faire qu'ils aiment le pays, qu'ils veulent rester ici, qu'ils puissent s'ancrer ici pour plusieurs générations.